بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 22 sur le cours des racines carrées des nombres réels, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Simplifier la racine carrée de 7 sur 4, la racine carrée de 29 sur 16, la racine carrée de 51 sur 81, la racine carrée de 13 sur 196. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez faire ces simplifications. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Simplifiant. Et on commence par la racine carrée de 7 sur 4. Bon, ici, on peut utiliser cette règle que vous connaissez déjà, la racine carrée de x sur la racine carrée de y, qui est égale à la racine carrée de x sur y. Et dans ce cas, je peux l'utiliser de droite à gauche, c'est-à-dire la racine carrée de x sur y est égal aussi à la racine carrée de x sur la racine carrée de y. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, la racine carrée de 7 sur la racine carrée de 4. On sait, ou bien on connaît, la racine carrée de 4, qui est égale, oui, à 2. Donc, ça donne racine carrée de 7 demi. Et on continue. La racine carrée de 29 sur 16. Donc, on va utiliser toujours la même règle, mais de droite à gauche. Ça donne la racine carrée de 29 sur la racine carrée de 16. Bien sûr, qui est égale à la racine carrée de 29 sur 4. Vous connaissez que la racine carrée de 16 est égale à 4. Maintenant, la racine carrée de 51 sur 81. 8 égale la racine carrée de 51 sur la racine carrée de 81, qui est égale à la racine carrée de 51 sur, bien sûr, sur 9. Maintenant, la racine carrée de 13 sur 196. Oui, c'est la racine carrée de 13 sur la racine carrée de 196. Et quoi est égal à la racine carrée de 196? Bien sûr, 14. 14 fois 14, c'est 196. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du Collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.